Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. Nous façonnerons notre propre destin. Les géants ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver, méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Oda. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Le bois de fer? C'est le... Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Curieux. Il est à Jotunheim ? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Oda respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui, mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied de la lettre. Les prophéties sont trompeuses par nature. Quoique, certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui, la fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi cacher cela sinon? Serpent contre Thor. Regarde, tire. Voilà ce qu'on a vu. C'est toi, combattant au Ragnarok. Non. Je ne peux pas. C'est quoi ça? C'est nouveau? Asgard est détruit? Mais pas les autres royaumes. Évidemment. Oda se base sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Oda. Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tyr ? Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. Mais on vient de non, te voir. Atreus, tu te trompes. Viens, nous avons à parler. On n'empêchera pas le Ragnarok, mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Il y avait un coffre d'énormes en bas. Mm-hmm.
Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. Le kick qu'il a foutu à... Avant que d'autres n'arrivent. Quel enfer! Taisez-vous! Et pourtant, j'ai enlevé le backseat au maximum. Alva. Est-ce que c'est le roi ? Oh!
Faut que je pense à l'esquiver, ça. C'est la reine ou... Alva. Nouvelle gardienne du temple de la lumière a été nommée à son absence. Est-ce que ça va? Non. Il n'est plus rien du coup. Oui, bah oui. Ouh, il en a marre. C'est terminé. C'est loin d'être terminé. Mais monsieur, laissez ce cadavre ici. Tu as vu ce qui nous attend? Je vous ai dit que je refuse. Comme dirait Maillard, je connais une blague sur les nécrophiles, mais innocente et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. Votre voix n'est que peine et souffrance. En fait, il le traîne pour faire le pont, j'ai bien compris, mais... Il plonge dans le puits. Bien bon, par ici, les chaînes. Il va hésiter à nous remonter ou pas? Est-ce qu'il va faire une longue vie au roi? Non. Mais non. Bah ouais, c'est ça. Le gars, c'est un hippie en fait. Alors que c'est censé être le plus grand guerrier du pays. Enfin, du monde même. Non, père. Hé, tire. Merci. Et désolé pour tout à l'heure. Je... Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Écoute, j'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la prophétie... Ne parle plus de prophétie. La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches, Atreus. Seulement la mort. Que sommes-nous censés faire? Se coucher? Et attendre? Assez.
Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger. C'était sûr. Un assaut d'elfes noirs. Quel heureux hasard. J'en ai assez des elfes. Ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles. Comme Iggy, c'est de toute beauté. Nous devons sortir d'ici. Par ici. Le gars, c'est carrément Obélix, quoi. Il veut pas se battre. La violence c'est mal, pense aux personnes tuées sur The Forest. Ouais, mais sur The Forest c'est pas des vraies personnes, des sauvages. Voir des mutants sur The Forest quand même. C'est stylé quand il... Quand il les prend là. Je suis plus puissant au point qu'avec mes armes, s'il vous plaît. De l'autre côté.
Et évidemment. Continuez à avancer. Ça se finish, il est trop stylé. Partir à présent. On y est presque. Par ici. Rentrez maison. Tire. Ouvre l'accès, je te prie. Tu veux la guerre, Atreus? Vois par toi-même ce que celle-ci a légué aux terres brûlées. Je n'ai vu cela que trop souvent. Aïe, 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 aïe. Nous avons assez vu, Alfheim. Rentrons chez nous. Eh bien, alors le désert attendra. Bon, j'espère que Tyr a eu le temps de retrouver une certaine stabilité. Espérons-le. J'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis, mais c'était fugace. Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres, ni aux prophéties. Je peux le comprendre. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire. Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Jotunheim? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok, alors je les crois. Encore faut-il convaincre Tyr d'y croire lui-même. Tyr téléphone maison. Tyr téléphone maison plutôt. Mon bon Kratos, il faut que je te parle. Parle. Si tu as un jour besoin de mes services et que je suis absent, j'ai installé ces carillons fort pratiques pour que tu puisses m'appeler. Tu n'auras qu'à les frapper d'un lancer de hache et j'accéderai à ta requête. Veux-tu bien procéder à un lancer d'essai? Magnifique lancer, mon bon Kratos. Ta maîtrise est totale. Bien. Tu sais comment me joindre à présent. Bien. J'ai une question. Merveilleux! Je me réjouis toujours de satisfaire les curieux. Derrière la corniche, à côté de l'accès mystique, j'ai aperçu des dragons. Des dragons? Oh, mais non, jeune Atreus. Ce sont des Lindworms, la portée de Nithog. Nithog? C'est leur mère? C'est exact! Elles jouent également un rôle essentiel dans le cycle de vie d'Yggdrasil. Moi, je m'occupe des branches en haut, pendant que Nithog ronge les racines en bas pour contenir la pousse de l'arbre. Un équilibre délicat. Donc ils sont gentils? Eh bien, ils ne sont pas aussi aimables que moi, mais tant que vous les laisserez en paix, ils ne devraient pas faire preuve d'hostilité. Nithog est une sévère matriarche, aussi déterminée à protéger sa progéniture qu'à lui inculquer la discipline. Voilà qui semble... familier. Eh bien, bonne chance. Ah, content de te revoir, jeune homme. Viens m'aider, tu veux? Oh, oui. Hop. Plus de puissance dans la hache. Tu as idée de ce qu'il met dans son soi-disant ragoût, hein? Des légumes. Des foutus légumes. Sortis de terre.
Faut vraiment être dérangé. Il est con. Je n'ai pas renoncé à te convaincre. Oh. Pourtant, tu devrais. Cette idée que tu te fais de moi, il serait aussi bon qu'Odin est mauvais. La vérité est toujours plus complexe. Il est dangereux d'imaginer qu'elle ne l'est pas. Alors, tu vas vraiment pas nous aider ? Vous pourrez toujours compter sur mes conseils sincères et avisés. J'aimerais pouvoir faire plus, je t'assure. Mais pour le moment, je t'en prie, accepte que je cuisine pour vous. Atreus, mange. Oh, doucement, doucement. Merci. Régalez-vous. Bon appétit, mes amis. Ouais. Je demande à voir. Voilà pour toi. Un repas digne d'un champion. Assez. J'ai dit que nous n'en parlerions plus. Oui. Pardon. Je ne pensais pas à mal. Je ne l'ai pas mal pris. Ce n'est qu'un mot. Un mot qui trouble ton jugement. Alors, tu crois vraiment que ça ne veut rien dire ? Après tout ce que Mère nous a fait faire ? Tout ce qu'on a vu à Jotunheim ? À quoi ça servait ? Tu ne te poses pas la question ? C'est tous les jours. Mais je refuse de croire que son but était de t'inciter à prendre des risques inconsidérés. Mais si les géants comptaient sur moi ? Quel géant ? Moi, je compte sur toi. Ta prudence, ton jugement. Mais... Je veux que tu penses comme un homme et plus comme un enfant. Et si la venue de Loki dans le bois de fer était la seule chose ? Et Atreus, mon fils, et personne d'autre. C'est bien compris ? Ça m'a coupé l'appétit. Pardonne-moi, Kratos. Mes paroles étaient mal choisies. Tu devrais manger. C'est une ancienne coutume. Un rituel quasi quotidien. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi parlerait-on de Loki et du champion et du bois de fer si rien n'est vrai ? Il est si... Tu veux que je te donne le meilleur conseil de ta journée, peut-être même de ta vie. Va dormir. C'est là que les troubles de l'esprit se résolvent d'eux-mêmes. Ouais, super, dormir. C'est une bonne idée. Je suis sincère. Moi aussi. Maintenant, sors de ma chambre. Je ne suis plus là. Quel sale gosse. Le bois de fer. Loki. Thank you.
Le masque de The Mask. Qu'est-ce que... J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Que se passe-t-il? C'était un masque? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Où suis-je? Tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi. Lamentations de gens insignifiants. On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants. Des souvenirs. Et plutôt des mauvais. T'as détruit la porte! C'était le seul passage vers Jotunheim! Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi! Romain! Je comprends pas! Comme tu veux. Comme tu veux, 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 comme tu veux. Eh, ne t'en va pas. Comme tu veux. Tu peux me dire où comme tu veux. Comme tu veux, 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 comme tu veux. Tu vas t'arrêter. Je sors d'ici. D'accord. Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire ça. Tout ce qu'on veut. Pitié, pitié, non, non. Pourquoi ça m'arrive? Il coupe bien mieux que celui de maman. Pitié, arrête! On est dans quel pays hein? C'est quoi cet endroit? Toudou. Tu n'as rien? Non, il le reconnaîtrait. Hé, hey, où est-ce que tu vas? Que je te suive? D'accord, on se verra de l'autre côté, c'est ça? Une saucisse hot dog. Sommes-nous? Est-ce que tu me comprends? Oh, salut toi. Bon, où est-ce qu'on va? D'accord. Je faisais un rêve très étrange et puis je me suis réveillé ici. Est-ce le bois de fer? Sais-tu comment je suis arrivé là? J'ai rêvé jusqu'ici. Remarque. Ça ne peut être que ça, puisque je suis là. Je ne peux pas attaquer. Une odeur? Quelle odeur? Oh, ça doit être Fenrir que tu sens. J'aurais voulu qu'il soit là. Mais vous êtes nombreux. Eh ben. C'est quoi cette odeur? L'air ici est... Je ne sais pas. Plus doux? C'est peut-être ces arbres. Plein de saucisses. Vous me le
diriez si vous vouliez me manger. C'est une plaisanterie, hein? Je n'avais encore jamais vu de forêt comme ça. Danse avec les loups, ça a changé, c'est ça? Par ici? Est-ce qu'il va apprendre à maîtriser ses formes animales? Je l'ai pas encore terminé. C'est ce qui vient d'arriver, c'est ce qui est peint. La peinture provient de l'écorce des arbres du bois de fer. Elle absorbe les souvenirs de la forêt, ainsi la peinture s'en souvient elle aussi. Des souvenirs du passé... ou du futur. Ça va être la prophète ? Je n'aimerais pas le tacher de sang. Oh, c'est... vraiment toi ? Tu sais qui je suis ? Qu'y a-t-il ? Je crois... que j'ai attendu ce moment toute ma vie. Tu es... plus étrange que je l'imaginais. Oh. Excuse-moi. J'ai été blessante. Un peu. Quelle idiote. Je suis déjà en train de tout gâcher. C'est que tu es la première personne à qui je parle depuis vraiment très longtemps, tu vois. Et étrange, ça. Merci. Recommençons. Je suis Anger Boda. Tu dois avoir beaucoup de questions. Oui, où bien, sommes-nous Tu auras les réponses que tu cherches. Enfin, quelques-unes. Anger Boda, c'est une des titans qui attaque les... Quand tu dis que tu me connais... Je te l'ai dit, tu auras les réponses que tu cherches. C'est une des Yotun, en fait. C'est un géant. C'est une géante. Ce n'est pas ton nom ? Si, c'est bien mon nom. Je suis Loki. Tola. Wow. Par ici. Je vais me débrouiller. Alors, où suis-je exactement? Il y avait cette brume étrange. Oh, on dit que l'utan de garde peut être déstabilisant. Mais tu ne crains rien dans le bois de fer. Mais je croyais que le bois de fer n'était pas réel. C'est malin, non? Odin ne cherchera pas la forêt des géants si je pense qu'il n'existe pas vraiment. La forêt des géants. C'est ainsi que certains l'appellent. Ou l'appelaient. Qu'est-ce que c'est? Une broche. Elle est grande? Par rapport à... Je croyais que les géants n'étaient pas vraiment... géants. Et tu fais quoi ici? Je peins, je furette, je survis, je préserve ce que je peux. Mais pourquoi tu m'attends moi? Parce que c'est mon destin. On va voir s'il n'y a pas les trois autres géants qui sont avec Loki normalement dans le Ragnarok. Attention! C'est marrant qu'on les retrouve.
jamais vu personne battre un trigger comme... Merci. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu faisais avant de venir? Je vais manger. Je survivais à Fibre. Ouah, tu manges ultra tôt aujourd'hui. Est-ce que ça existe ici? Tu sais ce que c'est? Demain, il neige, mais tellement... Ouais, bon app du coup. J'étais tellement étonné que tu manges maintenant que tu vas sauter bon app. Je me demande ce que Brock et Sindri en penseraient. Oh, c'est un peu comme des oncles. Un peu. Les géants de Midgard sont étranges. Ce sont des nains en fait. Ça reste étrange. Il y a des cauchemars ici aussi. J'y arrive pas. C'est juste un truc que mon père... Tu sais quoi? Laisse tomber. C'est pas mal. Merci. Oh, oui, ne t'en fais pas. Vous allez faire le react à quelle heure ce soir? Bah, on va faire ça dès que Matt revient, je pense. D'ici une demi-heure, un truc du jour. J'aimerais au moins sortir de ce rêve, en fait. Une autre géante. Et elle pourrait détruire mon destin. Quoi? Non. Ce rêve jaune. D'accord. Invoque un bouquetin déchaîné. Comment on fait ça? Konem, tu seras le bouquetin. Oh, tout se passe bien, non? Oui, je suis dans une forêt magique qui n'existe pas, et je parle à une autre géante qui est très... Ouais. Je te tiens. Merci. Je me suis pas encore fait à ce nouvel environnement. Où est-ce qu'on va? Ma mère a consigné ses visions et ses prophéties. J'ai pensé que t'aimerais les voir. D'accord, c'est la fille de... Où sont tes parents? Ils sont pas là. Celle qui commence par un G, je crois. Goa. Goa. Pas celle-là. D'accord. Désolé. Loki! Je m'en occupe. À ton signal. Lâche-le! Je couvre! Yeah!
Merci. Toi aussi. Une beholder. Attends. Vas-y, à toi. Wow. C'est le médaillon de E.T. E.T. Rentrez maison. On fait la course. Tout est lié. Quoi ? Partez ! Oh, ok ! Je peux ralentir ! Parce qu'elle a triché, j'étais passé devant elle. Mais je connaissais déjà le chemin. C'est un peu de la triche. Bah oui. Tu connaissais le chemin et en plus t'as pris un raccourci. La seule burne ! Je connais ces bêtes. Alors tu sais comment les battre ? D'habitude, c'est beaucoup plus calme ici. Tu dois être Bernie ? Non, tu es Loki. Ah, c'était une blague en anglais pour Lucky et Loki. Je le sens. À ce que notre peuple laisse une trace, malgré tout ce que les As nous infligeaient. Get Loki, les Dwarf Punk. Bien joué. Tola. Ce ne serait pas de la magie vanne ? De qui tu crois qu'ils la tiennent ? Nous y sommes. C'est ici que tu vis ? Mm-hmm. Par ici. Mais c'est ma fresque. Je voulais justement la revoir. T'es prêt ? Oui, je suis prêt. J'ai déjà vu ça, où les cendres de mer sont dispersées. C'était sur un mur. Tout était déjà arrivé, exactement comme prévu. Mais cette partie était abîmée. Oh, c'est nous. Qu'y a-t-il dans le sac ? Je me demande qui il est. Attends. Ah. Kratos doit mourir. Ça ne va pas. Ça peut Thor pas va être... tuer Kratos, a priori. Et il va devenir le fils d'Odin. Non, c'est pas réel. Le bois de fer n'est pas réel. Lutin de garde non plus. Rien de tout ça existe. Tout va bien. Tout va bien. Hey, ça va aller. Tout va bien se passer. Hey, regarde-moi. Hey, calme-toi. Respire. Ça va. Respire. Respire. C'est bien. C'est très bien. Tu vois, tout va bien.
tout va bien. Désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Non, ne t'inquiète pas, ça peut arriver à tout le monde. Ça? Ça arrive à tout le monde? Pas le côté loup, mais avoir peur de son propre avenir. Ça peut pas être mon avenir! On voit que je sers Odin et que mon père meurt! Et ça, c'est impossible! Si, c'est même le seul déroulement possible! Plus vite tu l'acceptes, mieux c'est! Désolée, c'était indélicat. Écoute... Essaie de ne plus y penser pour l'instant. Oublie ton avenir. Oublie Loki. Tu es un géant. Et... à l'évidence, tu développes des pouvoirs que tu ne comprends pas encore. Marchons un peu. Tu peux m'aider dans mes tâches et je peux... t'apprendre... des trucs sur les géants. Allez, viens. Bon, et bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ça, parce que j'ai envie d'aller me faire un petit truc à bouffer. Je pense que ça a sauvegardé. Dans le pire des cas, on le fait manuellement. Et on reprendra là la prochaine fois. Je vais juste me faire chauffer les pattes, donc ça va être très rapide, hein. Genre là je vais mettre l'eau à chauffer, je reviens vite fait. Et puis on voit ce qu'on fait tranquillement.